Ça fait déjà 4 matchs que Erling Haaland ne marque pas en Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Erling Haaland, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous parlons de foot, ici nous sommes passionnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort de partir. Alors, est-ce que tu es inquiet pour Erling Haaland? Moi, je ne suis pas inquiet. C'est un buteur. Ce n'est pas seulement en Ligue des Champions. Je trouve que cette saison, pour qu'il en marque un but, il faut qu'il en concède, il faut qu'il rate beaucoup d'occasions, tu vois. Il se procure énormément d'occasions, mais très peu de buts convertis. Du coup, donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Erling Haaland. C'est juste que il est en panne de confiance. Lorsque il va retrouver de la confiance, pour moi, il va vraiment revenir au top. Même un Haaland en manque de confiance marque des buts. La preuve, il est meilleur buteur de la Premier League, meilleur buteur. Imaginez s'il est en confiance. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Alan. C'est juste une traversée du désert. Ça va passer. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour Erling Haaland? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.